Et on va repartir sur les routes, tout le sport, avec Henri. Oui. Forcément, on ne pouvait pas parler, non de la Ronde Picard, définitivement, mais on ne pouvait pas ne pas parler du Paris-Roubaix. Ah oui, la course, c'est la une autre dimension, monsieur. Ah oui. Course totalement mythique, ouais. Qui est née en 1896, et on entre dans la légende en entrant dans l'enfer du Nord. Ceux qui ont inscrit leur nom au panthéon du Paris-Roubaix forment un cercle très très restreint. Et pourtant, sur le papier, c'est une course qui n'a rien de palpitant. 275 km de plat. Mais bienvenue en enfer. Dans le Nord, ils sont synonymes d'enfer. Voici les mythiques pavés du Paris-Roubaix. La trouée d'Arembert, c'est le secteur clé de cette course cycliste. Chaque jour, les amateurs de la petite reine s'y frottent, comme Stéphane, qui l'a déjà parcouru une dizaine de fois. Je suis fier, ça fait toujours des émotions de rouler dans la trouée d'Arembert, sachant que les plus grands cyclistes du monde sont passés. Donc même si je suis qu'un petit amateur, ça me fait très plaisir de pouvoir les passer. Et Stéphane n'est pas seul dans cette épopée. Karine, sa compagne, a pris sa roue pour la première fois dans Arembert. Après quelques difficultés et beaucoup de prudence au début de la trouée, elle est parvenue de l'autre côté. C'est bien, ma chérie. Alors, une première. Une première, c'est fait. C'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti comme sensation ? Ravi. Ça secoue, ça glisse parce que très humide aujourd'hui. Mais bonne sensation. C'est bien pour une génial. Première. Je suis fier de toi. Une première, je suis ravi. C'est bien. Mont-Saint-Pével est un autre passage emblématique de la course. Un chemin de traverse pavé de mauvaises intentions où les hommes forts entrent en scène. Pour rien au monde, Didier ne raterait cette étape clé du Paris-Roubaix. Le jour de Paris-Roubaix est un jour sacré qui est coché d'avance sur le calendrier et où c'est une journée uniquement consacrée à la course. Des pavés choyés par une association. 200 bénévoles qui viennent de toute la France et même pour certains de la Belgique voisine pour restaurer les pavés pendant leur temps libre. Aujourd'hui, c'est le carrefour de l'Arbre qui a besoin d'un petit lifting. On a supprimé en fait un gros nid de poule qui faisait un bon mètre carré. Et nous, on n'aime pas les nids de poule dans Paris-Roubaix parce que ça n'apporte rien. Ça apporte une difficulté qui est inutile. Le pavé, il est suffisamment dur par lui-même. Il n'y a pas besoin d'y rajouter des ornières et des nids de poule. Après le carrefour de l'Arbre, la course touche à son épilogue. Roubaix et son vélodrome apparaissent. Le béton remplace le pavé. Et une fois la ligne franchie, les courageux coureurs trouvent enfin le repos. Ah les amis, je crois qu'on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas roulé sur le pavé de l'enfer que ça représente, Henri. Hein. C'est le haut du pavé, il faut rouler vite, il faut rester sur le haut du pavé. Et quand il y a de la flotte, comme on vient de le voir, ce n'est pas évident. Mais moi, j'ai eu l'occasion de le faire avec des copains, notamment avec Jean Réveillon, qui était le patron du service des sports. Bien sûr qu'on a reçu ici à Roubaix. Un nordiste convaincu, hein, et dont le papa vendait les vélos. Et on est arrivé sur le vélodrome, c'est un rêve de gosse. Et c'est extraordinaire. Alors c'est le paradis. Et on est allé au bout, bah oui. Alors, ça, ce sont les images de ces pavés de l'enfer du Nord. Parce qu'il faut dire que sur un vélo de route, il n'y a pas d'amortisseur en plus. Hein. Ça tape direct. Bah, franchement, et si vous prenez ça à 10 à l'heure, ça ne va pas du tout. Vous avez la maladie de Parkinson après. Hein. Non, il faut passer à 30, à 35 là-dessus. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Et voilà, il faut aller au bout. Il faut faire comme les pros. Alors, les pros, c'est justement ce qui nous anime. Et c'est pour ça qu'on a fait venir un ami à toi. C'est Jimmy Casper que l'on a applaudi et que l'on reçoit ici. Bonjour, Jimmy. Alors, Jimmy, c'est un ancien professionnel, sprinter. Ouais. Hein, autrement dit, un gars qui donne tout en quelques minutes. Mm. Et qui est aujourd'hui directeur sportif de l'équipe de l'armée de terre, de l'équipe cycliste de l'armée de terre. Oui, bah après le vélo, la carrière, il faut une reconversion. Et moi... Je suis resté dans le vélo, j'aime toujours ça et c'est vraiment une passion, donc j'ai pas l'impression de travailler, c'est que du plaisir. Alors vous connaissez bien, vous êtes connu en 99 sur le Tour de France, c'est ça? Ah ben on s'est connu sur le Tour. Moi il m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Je commentais le Tour de France, c'était la première année et quand on commente le Tour de France pour la première fois, on est une trouille monstre de pas reconnaître les gens au sprint. Et je dis, ils vont me faire un sprint à Strasbourg, première étape. Évidemment, peloton groupé, 180 coureurs, un sprint d'enfer. Et boum! Oh là, je dis, qui? Ça va être Bonnen, Robbie McEwen, je sais pas. Et qui a gagné?
c'est lui, c'est Jimmy. Et le Picard gagne pour un autre Picard. Et ce jour-là, pour... moi, c'était le jour de ma vie et je ne me suis pas planté en plus. Est-ce qu'il faisait coucou à la caméra pour dire qu'il était là? Ah, il n'a pas eu le temps quand même de lever. Non, il a levé les bras, mais au dernier moment. Hein. J'ai levé la main à bien après parce que j'avais du mal à réaliser moi-même. C'est parce qu'il m'avait reconnu sur le côté. Il a dit... Alors, évidemment, le palmarès de Jimmy, il est étoffé. Hein, plus de 60 victoires, etc. Mais moi, c'est de la ronde Picarde que j'aimerais que vous parliez, parce que c'est l'occasion de vous retrouver. Vous pédalez ensemble, en fait. On pédale ensemble. C'est une course, c'est une cyclosportive pour des gens comme moi, hein, qui sont des béotiens, qui ne sont pas des grands coureurs, qui sont des amateurs, des cyclistes du dimanche. Et puis, des pros comme lui viennent avec nous pour rouler. Il y a eu lui, il y a Jalabert, il y a Fignon qui était venu, il y a Alain Prost qui est venu dans d'autres disciplines. Et c'est très marrant et on se prend très au sérieux. Et Jimmy, bah, il me fait l'amitié d'être là tous les ans. Tous les ans, il est là, devant ma porte, à 7h du matin, et on part au petit matin dans le brouillard. Des fois, il fait pas beau, et mais on part au départ. Mais c'est quoi le plaisir? Et c'est super. Henri, il est où le mais plaisir? Mais c'est de rouler ensemble. Le partage, le de partage. Rouler ensemble. Le brouillard, les pavés. Ah, le... mais c'est beau. Mais on est un peu maso quand même. Hein. Mais si tu faisais ça, t'aurais pas le temps de fumer. Non. Tu serais complètement voilà. Triste. Vrai que ça fait du bien. Bon, alors demain, 7h du matin? D'accord, voilà. Si vous voulez. Hein. Je suis à l'hôtel Ibis, là. Jimmy, quand on a été professionnel, qu'on a gagné sa vie, qu'on a été au top niveau. Quel est le plaisir en fait de rouler comme ça, beaucoup plus pépère? Est-ce que c'est une autre forme de plaisir que juste l'effort absolu? Oui, c'est notre forme de plaisir. C'est souvent on roule en groupe, c'est le partage. C'est aussi de temps en temps être seul dans la campagne. On est en pleine campagne picarde et on se pose, on profite un peu de la nature et ça fait vraiment du bien. Et maintenant, c'est comme ça que je vis le vélo et notamment quand je vais à la Picarde, c'est de recroiser aussi des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans. Et ça fait plaisir de revoir ces gens. Un peu. Oui, c'est une grande réunion de famille. On est plus de 1500, je crois. 1500 au départ. Hein. Et, c'est un gros peloton. C'est vraiment ça doit frotter dans le peloton. Ça frotte vraiment. D'ailleurs, parfois, il arrive les chutes. Oui. Parfois même, c'est même les coureurs qui soignent les docteurs. Oui. Malheureusement. J'avais soigné le docteur. On pense à lui. J'avais donné les secours au docteur de la ronde Picard, Bernard, qui avait une chute. Et donc, ça se frotte, ça veut dire en fait qu'on est serré, c'est ça. Qu'on est en fait, on se touche. Oui. Tout le monde n'a pas énormément. On joue des épaules pour ne pas faire un écart. C'est ce qu'il a dit. Ça se frotte, on se touche. Voilà. Et du coup, il voulait que j'explique. Mais non, mais tout de suite, elle rêve. Ah, non. Excusez-moi. Cette année, j'ai fait la Picarde et je travaillais l'après-midi. Je devais être à Montbéliard. Et je suis juste allé faire 50 km cette année avec Henri. J'ai tourné un petit peu les jambes. Mais maintenant, même les 150 km qu'Henri fait, j'aurais dû m'aller faire aussi. Oui, enfin, moi, je ne l'ai pas suivi pendant les 50 premiers. J'étais quand même un peu en retrait. Oui, mais en tout cas, moi, j'invite tout le monde à faire du vélo. Ça décomplexe énormément de se dire que des grands champions comme ça courent avec vous. Pas de complexe. Tout le monde est au même niveau. Hein, une fois qu'on est sur le vélo, dans le paysage et qu'on est entre copains, ça fait plaisir. Ils nous font un beau cadeau, quoi. Des gens comme lui qui viennent rouler avec nous, on se marre, quoi. Ouais, c'est le plus important. On reste avec Jimmy Casper qui va rester avec nous. Il aura droit à quelques bonbons, à quelques spécialités tout à l'heure. Il a le droit, maintenant. Hein.